Les États-Unis, maintenant, vont se retrouver au centre du praticable. Trois ballons, deux rubans. Que le chorégraphe a une part importante dans le succès d'une équipe, le choix de la musique, la richesse de sa chorégraphie dépendent bien évidemment des résultats obtenus, parce que là on voit que l'Amérique n'a peut-être pas choisi la musique idéale pour ce genre d'évolution. Oui, mais ils vont peut-être les qualifier d'office en finale. Ils les ont déjà qualifiés d'office aux Jeux Olympiques. Là, quand même, il y a une qualification à gagner. Tellement d'accord, parce que les Jeux étant universels, lorsque au championnat du monde, on peut comprendre que l'on soit invité aux Jeux Olympiques. C'est un petit peu différent. Ils sont pour l'instant 9e et le resteront probablement. Sauf faute des autres concurrentes. Peut-être. Les applaudissements sont mérités. L'Amérique fait une entrée quand même remarquée dans le monde de la GRS avec cet ensemble. Oui, c'est sympa. De ces jeux. C'est sympa, mais il y a une justice. Il faut qu'elle mûrisse encore. C'est pas du tout Shannon Miller à la poutre. Hein. Pas du tout le même programme, le même registre. Mais enfin. Il faut un classement, il faut des équipes moins fortes, il faut pouvoir faire des différences entre la perfection. Vous voyez, la perte du ballon de cette américaine sera fortement pénalisée puisqu'elle est allée le chercher. Si l'engin tombe à côté de la gymnaste et qu'elle n'a qu'un petit pas à faire, c'est moins important dans les points à enlever, les dixièmes de points. Now, ladies and gentlemen, please welcome the rhythmic group. From Bulgaria. Alors, attention, maintenant, après le 18-233 des États-Unis, cinquième place pour l'instant, mais